Hey, what's up? J'espère que tu vas bien, que tout se passe bien et que tu fais les choses bien. Nous sommes dans la playlist Summer Body. On va préparer notre corps pour l'été, d'accord? Que ce soit pour cet été qui vient ou pour un autre été, peu importe, mais on va préparer notre corps avec des exos efficaces. Aujourd'hui, on va s'attaquer aux abdos. Mais on va pas faire n'importe quoi. On va travailler les abdos en volume, d'accord? Parce que c'est très important ce que je vais dire. Les abdos se travaillent en plusieurs partie, d'accord? Si tu veux les voir, il faut que tu les fasses gonfler, il faut que tu les fasses grossir. C'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Et après, bien sûr, tu auras la couche de graisse à l'éliminer si tu veux les rendre beaucoup plus visibles. Mais là, ce ne sera pas notre cas aujourd'hui. Aujourd'hui, on va les travailler en profondeur, on va les faire grossir. Comme ça, déjà, tu pourras déjà voir à quoi ressemblent tes abdos, tu pourras déjà voir la ligne que tu as et on les affinera plus tard, ok? Donc, pour ça, on va prendre un petit banc de musculation, mais toi, tu peux le faire sur le sol, d'accord? Peu importe, d'accord? Ne me dis pas dans les commentaires, ouais, dame, j'ai pas de banc, je peux pas faire. Tu peux le faire sur le sol, peu importe. Le seul prérequis sera de prendre un poids. Soit un haltère, soit un disque, peu importe, mais tu prends un poids. Donc, prépare ton eau, prépare ton poids, prépare ton banc ou ton sol, et on commence. Bon, comme je t'ai dit, t'es pas obligé de prendre un banc, d'accord? Tu peux faire ce programme sur le sol ou tu peux caler tes pieds en dessous de ton lit ou en dessous d'une table ou peu importe, d'accord? Moi, je prends un banc parce que j'ai zéro souplesse et parce que j'ai un banc aussi. Premier exercice, c'est simple. On va se faire du crunch avec un poids, ok? En restant 2 secondes de contraction, d'accord? Si t'as un banc comme moi, c'est pas nécessaire de descendre tout en bas, d'accord? Nous, on préserve les lombaires et on va s'arrêter là. Très important, ok? Travailler avec un poids va te permettre de faire grossir tes abdos. Tes abdos, c'est un muscle, tu vois? Un muscle, pour qu'il grossisse, il lui faut de la charge, d'accord? Et pour ça, le poids va nous servir. On va se faire 5 fois 15 répétitions avec 30 secondes de repos. Ça va faire mal. On a un temps de repos suffisamment court parce que les abdos récupèrent vite. Mais c'est comme ça qu'on va progresser. Allez, hop, c'est parti. On y va. Hop, ça, j'aime bien ça. Hop. Une, deux. Une, deux. Deux. Une, deux. Trois. Allez. Une, deux. Quatre. Allez. Une, deux. Cinq. Allez. 1, 2, 6, 1, 2, 7, 1, 2, 8, 1, 2, 9, 1, 2, 10, 1, 2, 11, 1, 2, 12, 1, 2, 13, 1, 2, 14, 1, 2, 15. Ok. Hop. Je mets hop. Mon temps de repos et un petit trait. Voilà. Au niveau du poids, j'ai mis 10 kilos, d'accord? J'ai pris 10 kilos. Mais toi, tu peux prendre 5, voire plus. Il fut un temps où je mettais 25 kilos. Et ça, c'était avant. Maintenant, je mets 10 kilos. Je mets une charge raisonnable. Je prends un peu d'eau. Hop. 27, 28. Ok, on repart. Allez, on y va. Une, deux, une. Une, deux, deux. Une, deux, trois. Une, deux, quatre. Une, deux, cinq. Une, deux, six. Allez. Une, deux, sept. Une, deux, huit. Une, deux, neuf. Une, deux, dix. Allez. Une, deux, onze. Une, deux, 12, 1, 2, 13, 1, 2, 14, 1, 2, 15. Ok. Hop. Je sors juste du banc parce que mes jambes, elles me font mal. Hop, voilà. Deuxième trait. Là, tu vois, ça va très vite. Ça va très vite, ça fait mal, mais c'est ce qu'il faut. C'est comme ça qu'on travaille les abdos efficacement.
temps de repos court et de l'intensité, d'accord? Et là, on va les faire grossir. Et on brûle aussi un tout petit peu avec cet exo-là, mais on est plus dans le grossissement des abdos. Oh, 28, ok, c'est bon. Je me replace tranquillement. Et on va repartir. On est bien au troisième. Allez, 1, 2, 1, 1, 2, 2, 1, 2, 3, allez, 1, 2, 4, 1, 2, 5, allez, 1, 2, 6, 1, 2, 7, allez, 1, 2, 8, 1, 2, 9, allez, 1, 2, 10, 1, 2, 11, 1, 2, 12, 1, 2, 13, allez, 1, 2, 14, 1, 2, 15, ok. Hop. Voilà, hop. Je mets mon temps de repos. Mon troisième trait, il en reste deux. Franchement, ça fait super mal. Mais après, tout sont les abdos ne se travaillent juste pas en faisant d'exercice. C'est aussi dans l'assiette, d'accord? Mais je vais faire une vidéo abdos posée dans la chambre où on va parler tranquillement des astuces pour avoir des abdos. Oh. Mais on va faire les choses bien. C'est important. Tu vois, là, on est déjà à 30. Allez, on y va. Il en reste deux. Il en reste deux. On se fatigue pas. Allez. Une, deux. Une. Une, deux. Deux. Une, deux. Trois. Allez. 1, 2, 4, 1, 2, 5, 1, 2, 6, allez, 1, 2, 7, 1, 2, 8, allez, 1, 2, 9, 1, 2, 10, allez, 1, 2, 11, 1, 2, 12, 1, 2, 13, 1, 2, 14, 1, 2, 15, ok. Hop, je mets mon temps de repos. Il en reste une dernière. Là, franchement, je commence à bien les sentir. Faut pas que je glisse là. Sinon, c'est la fin de la vidéo si je glisse. Oh. Il en reste une dernière. Tu vois, rien que ça, ça vaut une séance abdo. On va faire un autre exercice après. Plus tranquille, mais rien que ça. C'est suffisant, d'accord? On est déjà arrivé à 30, c'est une routine suffisante. Allez, c'est parti pour la dernière. Hop, on se place tranquillement. On place le poids et on y va. Une, deux, une. Une, deux, deux. Une, deux, trois. Allez, une, deux, quatre. Une, deux, cinq. Une, deux, six. Allez, 1, 2, 7, 1, 2, 8, allez, 1, 2, 9, 1, 2, 10, 1, 2, 11, 1, 2, 12, comment c'est dur, allez, 1, 2, 13, 1, 2, 14, 1, 2, 15, ok. Hop, on a fait nos 5 séries, je mets mon temps de repos, tu prends 2 minutes et on passe à l'exercice suivant, ok? Très important pour l'exercice numéro 1, si tu veux travailler tes abdos de manière optimale, mets le poids vers le haut des pecs, d'accord? Vers cette zone-là, là. Tu vois, tu mets ton poids là. Moi, tu vois, j'ai mis mon poids en bas parce que j'ai le micro-cravate, clairement. Et si je le mettais pas, enfin si je le mettais en haut, ça allait taper dans le micro et ça allait être désagréable, tu vois, on n'allait pas m'entendre. Donc moi je l'ai mis en bas, mais pour un travail optimal, tu le mets en haut, tu le mets là, tu tiens ton poids. Et là on est bien, ton poids ou ton haltère, ça marche aussi avec une haltère, ok? Allez, on passe à l'exercice numéro 2. Deuxième exercice, on va se faire pareil au niveau du nombre de séries et nombre de répétitions et nombre de temps de repos. Mais on va travailler les obliques, tu vois, les poignées d'amour,
Ok, on va faire grossir ses obliques, mais aussi, c'est un exercice qui va te faire fondre un tout petit peu les poignées d'amour, d'accord? Donc, hop, c'est l'exercice standard où tu prends ton haltère ou ton poids et tu descends. Et on va tenir 2 secondes en bas, d'accord? On va faire ça pour chaque côté. Allez, c'est parti. Une, deux, une. Une, deux, deux. Une, deux, trois. Allez, une, deux, quatre. Une, deux, cinq. Une, deux, six. Une, deux, sept. Une, deux, huit. Allez, une, deux, neuf. Une, deux, dix. Une, deux, onze. Allez, une, deux, douze. Une, deux, treize. Une, deux, quatorze. Une, deux, quinze. L'autre côté. Une, deux, une. Une, deux, deux. Une, deux, trois. Allez, une, deux, quatre. Une, deux, cinq. Une, deux, six. Une, deux, sept. Une, deux, huit. Une, deux, neuf. Une, deux, dix. Allez, une, deux, onze. Une, deux, douze. Une, deux, treize. Une, deux, quatorze. Une, deux, quinze. Ok. Hop. Je mets hop mon temps de repos. Et mon stylet. Voilà. Hop, un trait. Oblique, très important. C'est très esthétique quand tu es bien dessiné. C'est très esthétique. Donc, on les travaille aussi pour les rendre visibles. Et aussi pour les poignées d'amour, comme on stocke ici, que ce soit homme ou femme, même si que les femmes stockent plus que nous à cet endroit-là, il faut le faire, c'est très important. On arrive déjà à 30, tu vois. C'est pas un programme où je vais beaucoup discuter ou dire des conneries aujourd'hui. C'est un programme où on souffre. Allez, on y va. Une, deux, une. Une, deux, deux. Une, deux, trois. Allez. Une, deux, quatre. Une, deux, cinq. Une, deux, six. Une, deux, sept. Allez. Une, deux, huit. Une, deux, neuf. Une, deux, dix. Allez. Une, deux, onze. Une, deux, douze. Une, deux, treize. Allez. Une, deux, quatorze. Une, deux, quinze. Ok. Une, deux, une. Une, deux, deux. Une, deux, 3, 1, 2, 4, allez, 1, 2, 5, 1, 2, 6, 1, 2, 7, allez, 1, 2, 8, 1, 2, 9, 1, 2, 10, 1, 2, 11, allez, 1, 2, 12, 1, 2, 13, 1, 2, 14, 1, 2, 15, ok, super. Hop, je mets mon temps de repos, hop, et mon deuxième trait. On va en faire 5, on va en faire 5. Ça fait mal, mais c'est comme ça. Les abdos, faut souffrir pour les avoir, d'accord? Une fois que tu les as bien travaillés en volume, après c'est la diète, l'alimentation, et tu verras, tu auras des super beaux abdos. On est là pour travailler intelligemment, on n'est pas là pour rigoler et tout, on est là pour bosser, c'est très important. On arrive à 30 et on repart. Comme tu vois, le temps de repos est très rapide. Mais c'est comme ça qu'on progresse au niveau des abdos. Allez, 1, 2, 1. 1, 2, 2. 1, 2, 3. Allez, 1, 2, 4. 1, 2, 5. 1, 2, 6. Allez, 1, 2, 7. 1, 2, 8. Allez, 1, 2, 9. 1, 2, 10. 1, 2, 11, 1, 2, 12, 1, 2, 13, allez, 1, 2, 14, 1, 2, 15, ok, super, l'autre sens, 1, 2, 1, 1, 2, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 4, 1, 2, 5, allez, 1, 2, 6, 1, 2, 7, 1, 2, 8, 1, 2, 9, 1, 2, 10, 1, 2,
11, 1, 2, 12, 1, 2, 13, 1, 2, 14, 1, 2, 15. Ok. Hop. Je mets mon petit temps de repos. Hop, montrer. On a... Pourquoi mon stylo ne marche plus? Ah, c'est bon. Oh non. Oh là là. Il se bloque plus. Ok, super. 3. Il en reste 2. Je bois ma petite gorgée. Et on est bon. Dans cette séance-là, tu vas repenser à tout ce que tu as mangé de sale, tu vois. Et tu vas te dire, putain. Là, je suis en train de regretter. À tous les bons trucs que j'ai mangés. Enfin, les trucs sales, mais bon. Allez, on y va. 1, 2, 1. 1, 2, 2. 1, 2, 3. 1, 2, 4. 1, 2, 5. 1, 2, 6. 1, 2, 7. 1, 2, 8. 1, 2, 9. 1, 2, 10. 1, 2, 11. 1, 2, 12. 1, 2, 13. 1, 2, 14. 1, 2, 15. Ok. 1, 2, 1. 1, 2, 2. 1, 2, 3. 1, 2, 4. 1, 2, 5. 1, 2, 6. 1, 2, 7. 1, 2, 8. 1, 2, 9. 1, 2, 10. 1, 2, 11. 1, 2, 12. 1, 2, 13. Allez. 1, 2, 14. 1, 2, 15. Ok. Hop. Le temps de repos. Très, très bien. Quatrième trait. Il en reste une dernière. Après, on est bon. D'accord ? Comme je t'ai dit, rapide, simple, efficace, mais ça fait mal, d'accord? Ça fait pas mal, c'est que ça bosse pas. Aujourd'hui, on est là pour bosser efficacement et gagner du temps. C'est pas nécessaire de faire 10 000 abdos, d'accord? Si tu veux les faire grossir, tu as des exercices clés à avoir. Et t'inquiète pas, on s'est concentré sur le haut des abdos, mais le bas et la bouée là, on va le retirer dans le programme suivant, t'inquiète pas. On arrive à 30, dernier exercice, après... On est bon pour aujourd'hui. Allez, 1, 2, 1. 1, 2, 2. 1, 2, 3. 1, 2, 4. Allez, on est bien. 1, 2, 5. 1, 2, 6. 1, 2, 7. 1, 2, 8. 1, 2, 9. 1, 2, 10. 1, 2, 11. Allez, 1, 2, 12. C'est la fin, là. 1, 2, 13, 1, 2, 14, 1, 2, 15, l'autre sens. C'est la dernière, on va à fond. 1, 2, 1, 1, 2, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 4, 1, 2, 5, 1, 2, 6, on a pour ça. 1, 2, 7, 1, 2, 8, 1, 2, 9, 1, 2, 10. 1, 2, 11, 1, 2, 12, 1, 2, 13, 1, 2, 14, 1, 2, 15. Ok. Hop. Je mets mon cinquième trait. Et là, on est bon. Bon, comme je t'ai dit, le programme qu'on a fait là, c'est un programme qui sollicite les 4 abdos du haut et les obliques. D'accord ? On a vraiment fait un programme pour faire grossir. Ça veut dire que là, ce qu'on a fait, on a travaillé nos abdos et nos obliques en profondeur, d'accord? Ça veut dire que on les fait grossir, d'accord? Mais tu as quand même cette couche de graisse au-dessus qui est là. Cette couche de graisse-là, on ne l'a pas touchée pour le moment. Mais on va la toucher avec d'autres programmes, d'accord? Il faut que tu prépares ces abdos avant de les voir. Il faut que tu les fasses grossir. Et moi, ce que je préconise de faire, c'est de travailler ces abdos en volume. Et dès que tu commences à toucher, les sentir, voir comment ils sont, voir qu'ils sont gros, voir qu'ils sont bien là, ben là, tu peux commencer à faire fondre cette graisse, d'accord? Et pour ça, on va faire des programmes. Ça arrive dans la playlist Summer Body. Bon, si t'aimais cette vidéo, mets un petit like, un commentaire, ça fait super plaisir. Abonne-toi à la chaîne, c'est pas fait. Et moi, je te dis, porte-toi bien et à la prochaine
pour la suite.